À l'invitation donc de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. On m'a demandé moi de modérer ce débat. Je m'en réjouis. Je vous avoue quand même que, à titre personnel et au nom de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la République démocratique du Congo est un pays que l'on aime bien, où on a des attaches, où on a des amis, où on connaît des militants courageux. On sait que c'est un pays qui est plein de potentialités humaines avant tout. Et puis chaque fois qu'on en parle, malheureusement, c'est toujours quand il y a des drames, quand il y a des violations des droits de l'homme. Et malheureusement, celles-ci se succèdent. De ciblées, elles sont parfois plus massives. On a l'impression d'être dans une spirale dans laquelle il est difficile de sortir. On a l'impression d'avoir des autorités publiques dont le respect des droits de l'homme n'est certainement pas l'alpha et l'oméga des politiques qu'ils mettent en place, loin de là. Et ce qui est dénoncé aujourd'hui, je vais directement laisser la parole à Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH, ce sont des événements malheureusement dramatiques de la fin de l'année dernière et qui ont à nouveau débouché sur une répression aveugle, violente, indiscriminée et cette fois-ci massive. Mais je laisse tout de suite Paul prendre la parole. Je t'en prie, Paul. Merci, Benoît. Il y a le rapport qui vous a été remis. Ce rapport a également un support très, très, très détaillé. Les noms de personnes que vous allez retrouver qui sont des victimes dans ces pages, chacune de ces victimes a toute une histoire de la répression qu'elle a subie à la date du 30 décembre 2013 ou aux environs de ces dates-là, et même jusqu'aujourd'hui. Alors c'est pour nous, la FIDH, avec son partenaire la Ligue des électeurs sur place et tous les autres membres de la société civile congolaise, les défenseurs des droits de l'homme, c'est pour nous un réel plaisir de nous trouver devant le collègue de la presse congolais et même la Livre, l'agence Belga, et avec évidemment l'association des victimes qui est représentée par sa présidente ici, afin de rendre public ce rapport. Et beaucoup de milieux très intéressés attendent que ce rapport leur parvienne, puisque ce qui s'est passé le 30 décembre 2013 dépasse l'entendement des communs des mortels. Il y a eu massacre d'hommes, il y a eu massacre de civils. Et ce 30 décembre 2013 à 8h30, comme vous pouvez le constater dans le rapport, la ville de Kinshasa s'est réveillée sur une panique générale. Il y a eu pratiquement un groupe de jeunes qui avaient envahi la RTNC, un autre groupe, l'état-major général à Mangaliema et l'aéroport international d'Njili. Et ces personnes, toutes des civils, se réclamaient du prophète Joseph Mukungubila, du ministère pour la restauration à partir de l'Afrique noire. Ces personnes ont été carrément et simplement massacrées à l'arme lourde, puisque ces personnes voulaient absolument faire entendre leur voix à la suite de l'attaque dont certains de leurs membres étaient victimes en date du 28 et 29 décembre à Lubumbashi. Ces personnes étaient en train de distribuer la deuxième lettre de M. Mukungubila, les invitant, si vous voulez, invitant le peuple congolais à se prendre en charge et à revendiquer pour que l'occupation dont la République démocratique du Congo est victime
ne puisse pas continuer afin de libérer cette population congolaise de cette tyrannie rwandaise. Ces personnes avaient été arrêtées à Lubumbashi, torturées et malmenées. L'information avait circulé dans l'église de Joseph Mukungu Bila, au point que, comme vous le savez, le 30 décembre, c'est pratiquement la veille de festivités de fin d'année. Et la plupart des Congolais se réfugient dans la prière, dans des cultes organisés par les différentes confessions. Et ces personnes ont été amenées à se mobiliser et à réclamer la libération, si vous voulez, de leurs qui étaient malmenés et torturés. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont décidé d'aller à ces endroits stratégiques pour passer leur message. Mains nues, s'il vous plaît, avec des bâtons, seulement des petits bâtonnets, etc. Et un message qu'ils avaient préparé dans le style et le format et ainsi que le contenu de la dernière lettre de Joseph Mukungu Bila. Alors, malheureusement, nous avons tous suivi, ils ont fait la démonstration qui a été vite interrompue. Les images passées, malheureusement, le son de leur message, au fond, était bloqué en ce moment-là par les techniciens. Et vite, la répression s'est mise en place. Les éléments de la police, avec les éléments de la garde républicaine, ont dû utiliser l'armement lourd pour faucher toutes ces personnes là où elles s'étaient amenées pour protester, notamment à la RTNC, à l'état-major général à Mongaliema. Et du coup, à Lubumbashi, le sixième commandement militaire, avec les éléments de la garde républicaine, ont dû prendre d'assaut les deux résidences de Joseph Mukungu Bila, croyant les trouver là-bas. Mais comme il y avait des adeptes du ministère qui priaient, qui étaient en prière, ils ont cru que effectivement Mukungu Bila, M. Mukungu Bila était avec eux en ce moment-là. Alors, ils ont encerclé les deux résidences. Il y avait plus de 250 adeptes du ministère qui, malheureusement, se sont aperçus qu'ils étaient encerclés et qu'ils étaient pris en otage, pratiquement. Et du coup, ça a duré, le même 30 décembre, ça a duré des heures. Ils ont essayé de s'effrayer un passage avec les gardes de Joseph Mukungu Bila qui n'était pas armé. Alors c'est en ce moment-là l'ordre avait été donné de les massacrer à l'armement avec des armes lourdes, des lance-roquettes. Il y a eu bain de sang. Vous verrez dans le rapport que ils ont dû utiliser à peu près 7 camions ben pour évacuer les personnes exécutées sommairement, ainsi que les blessés. Et c'était un carnage à notre niveau, au niveau de l'enquête que nous avons menée avec la Ligue des électeurs et d'autres partenaires, et même avec la MONUSCO et d'autres organisations de la société civile. On a dû constater tout simplement que les témoignages qui ont été donnés pourraient nous amener au-delà du chiffre de 103 victimes fauchées que le ministre Lambert Mende avait essayé d'avancer comme victimes de part et d'autre. Mais tous les éléments et les détails se trouvent dans ce rapport. Alors, c'est plus de 230 victimes pour nous. En recoupant les témoignages, et nous avons compris que c'était un massacre inadmissible, une violation flagrante des droits de l'homme. Alors, du coup, nous sommes allés, notre mission d'enquête est allée approcher les autorités
Mais la réponse des autorités était dans un premier temps, voilà, ce sont des terroristes qui voulaient déstabiliser l'État, déstabiliser les institutions, s'en prendre au président Kabila, et l'ordre avait été donné de le neutraliser par tous les moyens. Était-il armé? Non. À un moment donné, ils se sont contredits, etc. Bon, finalement, nous avons demandé à accéder, si vous voulez, dans le lieu de détention où des personnes étaient gardées, étaient détenues à Kinshasa, à Lubumbashi, et ceux du Maniema, des Kindu, nous ont-elles dit, ces autorités, ramenés, si vous voulez, transférés à Kinshasa. Mais malheureusement, l'autorisation ne nous a pas été accordée. Et nous avons dû approcher par d'autres techniques d'information le détenu qui était gardé à l'ANER, à la Migo de l'ANER. Et là, à l'ANER, nous avons obtenu les listes des personnes qui étaient incarcérées dans ces Amigo. Et nous avons également constaté qu'il y a eu beaucoup de disparus. Et il y a eu également des personnes qui ont été enterrées presque vivantes, puisque blessées par balles. Et j'étais dans des camions Ben, et il y a des fosses communes, notamment à Lubumbashi, dans des endroits que vous allez retrouver, dans des lieux bien précis que vous allez retrouver dans notre rapport. Alors, à un moment donné, nous avons constaté que les autorités ne voulaient plus parler de ces dossiers. Et il nous soumettait à une autorisation qui ne nous est jamais accordée depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui. Nous avons dû également constater que la traque de tout ce qui est lié au ministère pour la libération, la restauration plutôt, ministère pour la restauration à partir de l'Afrique noire, de Joseph Mukungubila, tout ce qui est proche, les adeptes ou proche de ces ministères, de l'un ou de près, faisait l'objet d'une traque sérieuse, au point que aujourd'hui nous avons recensé des centaines, si vous voulez, de personnes disparues, de personnes jusqu'à aujourd'hui disparues. C'est dans ce cadre-là que nous avons été saisi dès le départ par les adeptes de Joseph Mukungubila, ici représenté par Emmanuel, et notre évêque qui est de l'autre côté, pour que l'on fasse quelque chose pour arrêter cette traque et porter à la place publique toutes ces informations. Malheureusement, le 30 décembre, c'est pratiquement ici en Europe, ici au nord, un jour de congé, de fête. Nous, au niveau de la FIDH, nous avons essayé de secouer certaines ambassades. Malheureusement, les acteurs étaient en vacances. Et après les vacances, nous avons essayé de prendre contact avec ces autorités. C'est comme ça que Kinshasa, ces acteurs internationaux, Kinshasa a essayé de s'adonner à une tâche de nettoyer toutes les traces possibles qu'il y a dans ce massacre, que ce massacre a laissé au niveau de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kindu et Kolwezi et même à Kisangani. Alors voilà pourquoi nos enquêtes nous ont amené à ceci, que la responsabilité de ce massacre incombe à l'État congolais, puisque d'une aucune manière on ne peut justifier une telle boucherie humaine en recourant, je dis bien, je souligne les mots, aux armes lourdes, lance-roquettes et autres. Et aujourd'hui, l'État congolais n'a rien fait pour ouvrir
mener ou promouvoir, si vous voulez, mener une enquête là-dessus, indépendante. Aujourd'hui, l'État congolais n'a ouvert aucune instruction judiciaire à Kinshasa, seulement à Lubumbashi, où les choses ne semblent pas marcher. Alors, nous nous trouvons devant une volonté délibérée de pouvoir étouffer, effacer toutes les traces de cette tragédie humaine que les populations civiles congolaises, adeptes du ministère de Joseph Mukungubila, sont victimes. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait des recommandations allant dans le sens de promouvoir, si vous voulez, la vérité de ce qui s'est passé, afin que l'opinion sache pour une énième fois en République démocratique du Congo, les personnes et les biens n'ont pas été ou ne sont pas protégés par ceux qui sont censés les protéger. Alors, puisque à ce jour même, les familles n'ont pas été informées du lieu et des conditions d'incarcération de ceux qui sont détenus, ni du sort des corps de leurs proches décédés, nos enquêteurs ont sollicité et attendent encore l'autorisation des autorités pour prendre contact direct avec les victimes et échanger avec elles sur leur sort. Alors, beaucoup, dans cette débandade, beaucoup ont pris le large, se sont réfugiés, les adeptes du ministère se sont réfugiés au Congo-Brazzaville, en Zambie. Et il y a quelque temps, vous avez appris que lui-même, Joseph Mukungubila, est en Afrique du Sud, où il a eu des ennuis. Et nous avons dû aussi essayer un peu de réveiller, si vous voulez, faire du plaidoyer en direction des autorités sud-africaines pour que Joseph Mukungubila ne soit pas extradé vers la République démocratique du Congo, où il n'existe pas une justice qui fonctionne normalement. Alors, au vu de toute cette tragédie, nous avons fait des recommandations en direction des autorités congolaises. Nous leur avons demandé de procéder à la libération de tous les détenus et à la cessation de tous les actes discriminatoires et ou attentatoires à la dignité humaine fondés sur l'appartenance établie ou supposée au ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire, ainsi que des perquisitions domiciliaires et arrestations arbitraires et illégales à l'encontre des adeptes de Paul Joseph Mukungubila Mutombo. Nous leur avons demandé aussi de procéder à la publication de la liste de tous les détenus et des lieux de leur détention pour permettre aux familles de leur rendre visite. Nous avons également demandé à ces autorités de l'ouverture d'une enquête indépendante afin de faire la lumière sur les crimes graves de violation des droits de l'homme perpétrés le 30 décembre 2013 et les jours qui ont suivi dans le cadre de cette affaire et l'engagement de poursuites contre leurs auteurs présumés. Nous avons demandé qu'on puisse procéder à l'exhumation des corps ensevelis dans les fosses communes, notamment à Lubumbashi, leur identification et leur remise aux familles pour les obsèques dignes. Alors, nous avons aussi adressé une recommandation aux autorités des pays limitrophes, notamment la Zambie et le Congo-Brazzaville. Nous leur demandons de garantir la protection des personnes visées par les exactions et la répression fondée sur leur appartenance au ministère de la Restauration à partir de l'Afrique noire de Paul Joseph Mukungubila Mutombo et le cas échéant, leur accorder le statut de réfugié. En Zambie, à ce que nous sachions, les demandeurs d'asile, je crois, nos amis du ministère vont le confirmer, et de l'association, les demandeurs d'asile ont obtenu leur statut. Ils sont protégés en Zambie. Et là encore, nous avons essayé de, si vous voulez, d'informer, de documenter, si vous voulez, les autorités zambiennes.
Mais en Afrique du Sud, il y a encore des petits problèmes, mais nous suivons les victimes, y compris M. Paul Joseph Mukongubila Mutombo. Alors, nous avons adressé une recommandation aux Nations Unies, à la MONUSCO, pour procéder à une enquête indépendante afin de faire la lumière sur ces événements et d'établir des responsabilités de tous les auteurs des crimes et des graves violations des droits humains perpétrés le 30 décembre 2013 et les jours qui ont suivi la traque dans cette affaire. À l'Union africaine et aux diplomaties influentes, nous leur avons demandé de condamner ces violations de droits humains et exiger des autorités congolaises le respect de ces engagements nationaux et internationaux en procédant à une enquête indépendante permettant l'aboutissement d'une procédure judiciaire impartiale et le jugement des auteurs responsables des graves violations des droits humains perpétrées le 30 décembre 2013 et les jours suivants. Voilà l'ensemble de recommandations qui ont été faites. Mais dommage que, comme Benoît l'a dit et qui connaît si bien la République démocratique du Congo, souvent quand les défenseurs des droits de l'homme, les associations des droits de l'homme parlent de la RDC en termes de respect des droits de l'homme, c'est avec des tableaux très très sombres. Vous vous souvenez de 2007-2008 avec les mêmes types de répression meurtrière opérées dans le Bas-Congo par la police, les bataillons Simba. Et vous vous en souvenez, Floribert Chebeya en a payé le prix puisqu'il détenait des informations précieuses de la part des victimes. Alors, on n'a pas tiré la leçon. Les responsables politiques congolais n'ont pas amélioré, si vous voulez, n'ont pas tiré les leçons qui s'imposaient, qui sortaient sous forme de recommandations émises par les associations de défense des droits de l'homme. Et on nous a plutôt, les acteurs internationaux nous ont dit, bon, il faut réformer, il faut mieux faire pour la réforme du secteur de la justice et même le secteur de la sécurité. On y a pompé de l'argent, mais le résultat est là. La police, la garde républicaine, actuellement super armée, mieux armée, et qui est à la base de tous ces massacres de population au jour le jour. C'est pour nous, défenseurs des droits de l'homme, encore une fois, nous disons que ces réformes ont échoué. Voilà pourquoi, à travers cette énième tragédie où les populations civiles sont massacrées, nous pensons que les organisations des droits de l'homme vont se mobiliser davantage pour que cette énième violation grave des droits de l'homme ne reste pas impunie. En ce qui nous concerne, nous, la FIDH, avec nos membres de la RDC, nous allons nous placer aux côtés des victimes pour que leurs droits soient respectés par tous les moyens. En ce moment même où nous tenons cette conférence, il y a à Kinshasa la Ligue des électeurs, la SADO et les autres membres de la société civile et des associations des droits de l'homme qui organisent la même conférence à Kinshasa. Jusque là, tout est calme. Nous savons que les autorités vont réagir d'une façon ou d'une autre, mais nous sommes prêts pour défendre, si vous voulez, soutenir les victimes qui se comptent par plusieurs centaines actuellement. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, chers amis,
Vous avez quelques détails, quelques précisions dans le rapport qui vous a été remis. Pour la suite, nous nous mettrons à votre disposition.